Elle a préparé mes biberons et mes tartines quotidiennes, a répondu à mes questions jusqu'à ce que je comprenne. Elle m'a fait réciter mes leçons, m'a emmené faire des balades, elle est restée à la maison quand j'étais malade. Oui, quand j'étais malade. Ma maman bis, ma maman B, un jour faudra bien qu'on la nomme. Ma coparente présumée, mon tiers n'est pas un homme. Y a pas de doute, elle me connaît, mais j'aimerais qu'elle me reconnaisse. Maman dit qu'elle est sa moitié, moi je dis qu'elle est ma tièce. Ma polygame, mon incestueuse, ma pédophile, ma cannibale. Dans l'encyclopédie haineuse, le dico des mots qui font mal. Je me suis battue à la récré, je sais pas ce qui m'a pris tout à coup, contre une copine qui m'a traitée de fille de goudou. De fille de goudou. Ma maman bis, ma maman B, un jour faudra bien qu'on la nomme. Ma coparente présumée, mon tiers n'est pas un homme. Y a pas de doute, elle me connaît, mais j'aimerais qu'elle me reconnaisse. Maman dit qu'elle est sa moitié, moi je dis qu'elle est ma tièce. Adolescente, j'ai rugi, ma mère n'avait que des lacunes. Et quand vient l'heure du conflit, deux mamans valent mieux qu'une. Pourtant t'es pas une seconde mère, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Je te prends pas non plus pour mon père, mais heureusement t'es là. Oui, heureusement t'es là. Ma maman bis, ma maman B, un jour faudra bien qu'on te nomme. Ma coparente présumée, bien que tu ne sois pas un homme. Y a pas de doute, tu me connais, mais j'aimerais que tu me reconnaisses. J'espère que la loi va changer avant que tu sois grand tiers. Famille hétéroparentale, c'est pas une garantie de bonheur pour autant. C'est sûr.